C'est intéressant parce qu'effectivement, mais c'est un peu la même problématique avec certains jeunes. On l'avait évoqué avec Guiri, Maoleda notamment. Lorsqu'ils sont avec l'équipe pro, ils sont sur le banc, ils sont dans le groupe, donc c'est très bien. Mais en même temps, ils ne jouent pas avec l'équipe réserve. Donc, ils n'ont pas de temps de jeu. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué après au haut niveau. Et c'est vrai que cette problématique existe aussi avec les gardiens. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico. Oui, enfin, je sais que nous, alors c'est pareil, on va encore parler d'avant, mais on jouait en CFA. L'avantage, c'est que l'équipe pro jouait le vendredi soir ou le samedi et la réserve jouait le dimanche. Donc, du coup, les pros qui n'étaient pas rentrés avec l'équipe 1 le samedi soir, aller jouer avec la réserve. Et donc, du coup, on avait du temps de jeu, on avait des repères, on avait du rythme, même si ce n'était pas au niveau supérieur, mais on avait des repères sur un terrain de foot. Donc, on jouait. Aujourd'hui, là, quand Mathieu Gorgelin a eu la possibilité de jouer avec la réserve, ils ne l'ont pas envoyé parce qu'ils avaient dans la tête qu'il ne se blesse pas pour remplacer Anto Lopez sur les trois derniers matchs. Donc, il aurait pu se servir de ce moment-là pour gagner du temps de jeu, gagner des repères, des automatismes avec sa défense, des repères sur le terrain. Enfin voilà. Donc oui, c'est délicat pour lui. Et donc, en effet, je pense que l'idée de François Tixier d'avoir deux numéros 2 qui alternent pour aller jouer avec la réserve de temps en temps me paraît intéressant. Surtout que les gardiens, c'est pas ce qui coûte le plus cher aujourd'hui dans le football, donc. Je reprends ce que je viens de dire. c'est moi. Il a hébergé, mais il a raison. Demandez à Nicolas Puigbois, hein, il gagnait moins que l'attaquant remplaçant. À la guerre, peut-être, mais les consultants. On gagne beaucoup plus. C'est pour ça que. J'ai vite arrêté ma carrière. Non, mais ça permet. Attends, juste avant de. Je rappelle juste de revenir dans le jeu. Donc, Nicolas Puigbois, Razibric, les habituels de l'émission. Et ce soir, on a avec nous Romain Sartre, ancien joueur pro formé Olympique Lyonnais. Et puis Gaël Berger de Radio Scoop. Là, tu peux rebondir maintenant, c'est après, j'ai une question tweet. Je t'en prie. En effet, non, là où c'est très, très pertinent, c'est qu'il faut absolument que les gardiens jouent comme les autres joueurs, d'ailleurs. Et souvent, on entend les jeunes, pourquoi ils ne sont pas dans le groupe. Mais c'est pareil, un jeune, vaut mieux qu'il aille faire 90 minutes en National 2 maintenant, parce que ça s'appelle plus CFA, mais peu importe, plutôt que de rester sur le banc ou de rentrer 2 minutes à la fin d'un match de Ligue 1. Franchement, mais en plus, pour le coup, pour un gardien, c'est beaucoup plus formateur. Les repères pour les sorties aériennes, pour la gestion de la profondeur… Il n'y a qu'en match qu'on peut les avoir. Le rythme, c'est pas le même à l'entraînement. À l'entraînement, souvent, il y a du jeu devant le but, on se fait fusiller à bout portant. Il n'y a pas de défenseur pour défendre. On est face à face avec l'attaquant. Enfin voilà, les conditions d'entraînement, enfin l'entraînement ne remplace pas les matchs, surtout au niveau. Et les conditions d'entraînement sont bien plus tranquilles qu'en match. Si, je pense que ça peut. Il faut se poser la question, mais il faut vraiment l'étudier dans la profondeur parce que ça pose des problèmes. S'il y en a un qui est blessé, il y en a un qui est suspendu, qui sera numéro 2. Parce que s'il y en a un qui est vraiment au-dessus des deux numéros 2, il y en a un qui est vraiment au-dessus. Si c'est lui qui se blesse, après on fait comment? Oui, mais regarde, Lopez n'a pas été blessé de la saison. Du coup, Gorgelin se récupère ça, les. Ouais, ouais, mais ça, c'est clair, mais il y aura des problèmes. On va peut-être déplacer le problème, je ne sais pas. Pour moi, c'est un problème d'ego. Il faut aussi trouver des personnes qui acceptent de faire ce genre de situation. On le fait quand on est plus jeune, parce qu'on est en formation et que c'est le jeu de la formation. Là, on est. Un gardien d'expérience. Là, on est dans une équipe professionnelle avec des contrats. Forcément, le statut numéro 2 est mieux rémunéré que le statut numéro 3. De numéro 2, à quelles conditions, comment, pourquoi Mais ça peut être une bonne piste. Qui est le numéro 1 des numéros 2 Parce que c'est pareil. Mais ça ne se fait pas en France. On est d'accord. Ça ne se fait pas en France. Non.